Hi-di-ho, bonjour YouTube. On va voir, je suis sûr, cette sorcière très amicale, vu la tête de la grotte dans laquelle on se dirige. Alors je vous le dis tout de suite, ça pue la zobe. Pourquoi? Voilà, c'est, il y a du poison. La technique habituelle, c'est de mettre un tonneau dessus. Alors, on va séparer l'os. On sauvegarde. Oui, alors, d'accord. Dans cette version, il nous explique comment on fait. Dans le 1, il fallait deviner par soi-même. Cible trop éloignée, soupe trop. Ah! Ok, je vais essayer avec ça. Alors, mine de mirage. Ouais. Je crois que je suis encore trop loin là. Il doit pas être dessus. C'est bon. Encore accroché, cocotte. Aïe! Pourtant, j'ai pas mal de perception, donc je suis censé les repérer. Je suis censé les repérer, les pièges. Bon, heureusement, on a suffisamment d'armure pour les tanker. Après, je pourrais essayer de les désamorcer avec Sibyl. Is my eyes fooling me? Il y a aussi la technique de les attaquer, hein, les pièges, mais... Après, mon personnage principal est censé avoir masse perception. Je suis censé pouvoir les voir, c'est... Vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Putain, mais c'est ouf! Je trouve ça incroyable quand même que. Là, je tanque tout à l'armure magique, mais ça m'intéresse pas. Alors, j'ai plus de tonneau. Bien. Ça par contre, j'avoue que c'est pas mal que ça soit bloqué par les armures magiques. Alors ça va encore péter de partout. Après on peut faire l'approche très discrète si je puis dire. Is my eyes following me? Est-ce que mes yeux me trompent? Faut toujours looter quand même les cadavres, les corps et les machins. On peut trouver des os, ça fait de la poudre d'eau, ça sera utile plus tard pour l'artisanat. D'accord. Ça a l'air très drôle. Belle décoration, hein, je... Pas joli. What is this place? On peut remettre la brouette. Debout. Petit cri qui m'a quand même fait un peu bizarre, hein. Oui, c'est... Oui, j'ai entendu, là. Changement de...
Les changements de musique. Ah, la voilà! Je prépare le terrain, on sait jamais. Bonjour madame. A tall woman stands amid a field of corpses, some fresh, some ancient. The sour smell of them stings your nostrils, your eyes. As you draw nearer, the woman turns to you, bitten lips parting into a grin. She tucks a small bunch of black-red roses into a leather strap across her left hip and, preparing to curtsy, offers you a hand. What a ball. She stands to her ah bah, tu nous as préparé. Pursed in disappointment, she cocks her head and takes you in. The stench of death and sewage suddenly intensifies. Inspirez profondément et lui demandez son nom, imperturbable. She peers closely at you. A shrewd smile playing about her lips. Un emprunt, quelle perspicacité. Merde, j'ai pas pris le. Ha, never mind. I mistook you for someone else. Merde. I am Radica, and you, you must be here for the same reason as I. Merde, j'aurais bien aimé ce dialogue. She pats the bouquet at her hip. The bouquet. But you're too late. These roses. Looks like we'll have to find some other way to keep you busy. Sourire en marquant la façon dont les boucles et les fermoirs de sa tenue pressent sa peau couleur caramel et lui dire qu'elle a toute votre attention. La réponse de pervers. Lui dire que vous en connaissez un de moyen. Oh, I do hope that little so-and-so hasn't been talking. Those chains were in a place for a reason. Lui dire que vous en avez assez entendu. En fait, je veux qu'elle me parle. Je veux comprendre l'histoire, donc j'ai pas envie de lui dire tout de suite de fermer sa gueule. Qu'à cause des gens comme elle, que tout le monde est presque persuadé que j'en sais rien. Ha! Oh, I do love that in a woman. J'aime ça chez une femme. This is the one place in all of Reaper's Coast where blood roses actually thrive. I suppose you just stumbled in by mistake. Then I suppose you aren't leaving, darling. Ah. Bon, ça je m'en doutais un peu, hein, qu'elle était invocatrice. Comment ça elle monte? Alors. Le petit ricochet de l'envie. Bon, je suis encerclé, hein, soit dit en passant. Il y en a là, il y en a là, il y en a là. Après, je me demande si on s'occupe de la reine. Est-ce que les autres suivent en fait? C'est... Comment ça je peux pas la téléporter, mais bien sûr. Tiens, viens nous voir, c'est rigolo. Et là, Mao Shigeri dans ta tête, avec rebond derrière. Et on sent la petite Sibylle. Qui va t'en mettre plein la nuque. Alors oui, on va tanker tout ça, le temps qui bouge. Pas mal. Hémorragie échouée, oui. Ah oui, alors là c'est le passage où on s'en prend plein. Hein.
D'ailleurs, dans l'ordre... Ah, elle va jouer avant nous, merde. J'aurais bien aimé le... ne pas la faire bouger. Oh non, mais non, pas régène sur elle, faites chier. Ok, ils attaquent beaucoup à la magie. Ah, ils attaquent tous à la magie. Qu'est-ce qu'elle fait? Ok, attaque opportuniste. Dès qu'elle se déplace, regardez la sauce qu'elle prend. Elle est vraiment conne. Elle est vraiment conne. Et elle va se prendre une pilée. Oh, je vais pas te rater, ma belle. Dans le cul, la balayette. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Parce que elle s'est fait mais exploser juste en se déplaçant de là à là. Sybille, Carrie, comme jamais. Alors par contre du coup ils sont quoi? Ils ont peu d'armure, peu de machin. Les scarabées en ont beaucoup plus. Ouais. Qui a pris des dégâts? Elle-même. Eh ben elle-même, elle va commencer par se guérir, la petite Loth. Ensuite, le coup de l'éclair, il est tentant parce qu'il y a de l'eau. J'avais préparé le terrain avec pluie, donc même si eux volent, ça va rien leur faire. Eux. Exactement, il y a moyen de que ça soit efficace. Ah, j'aurais bien aimé un petit coup de gel. Là, va falloir que je gère tous les ads. Hein. Ça va être dans le domaine du réalisable, hein, bien sûr. J'ai les deux. Toi, si tu t'avances, tu vas grandement apprécier. Et je vais peut-être rendre de l'armure quand même à Sybille. Voilà. Parce que... Ouais, donc attaque magique, donc directement dans les HP. Je ne sais pas à quel ennemi je m'attaque en premier. Je dirais lui, c'est le plus proche. Dommage, il manque un... Oh, il y a lui encore. Waouh, ça va être chaud quand même. En fait, j'estime avoir de la chance quand même parce que j'ai réussi à down le boss assez rapidement. Je pense que si je m'étais tout pris plus le boss, j'aurais peut-être pas trop rigolé. Et là, le combat est très loin d'être gagné. Hein. Ah ouais, parce qu'ils prennent tous extrêmement cher. Surtout Sybille. Non, pas ça. Ça. Alors là, il me faudrait un ricochet de génie. Hein. Un ricochet de merde. Je prends. Écoutez, j'ai pas trop le choix. Après, décomposition, ça veut dire quoi? Ils vont tous crever? J'aimerais beaucoup. Elle a besoin de soins, j'en conviens, et je te fais consommer cette potion. Potion et soins vous rendent 100% de... D'accord. D'accord, d'accord. Excellent. Je pense que vous allez tous crever. On va essayer de s'en sortir, mais je pense très sincèrement que vous allez tous crever comme des merdes.
Sur le prince rouge, oui. C'est le seul qui a encore un peu quelque chose à faire. Ok, elle est remorte. Parfait. Je pense qu'on va refaire le combat finalement. Deux morts. Bien. Peut-on faire quelque chose à part ressusciter ses potes? Putain, mais j'ai pas vu décomposition. Trou du cul. Si j'arrive à survivre à ce tour-là, je peux essayer de ressusciter et recommencer, mais le souci, c'est dès qu'on ressuscite, ils ont peu d'HP, donc j'essaye déjà d'éliminer une partie des ennemis. Même si je crois pas trop au fait qu'on arrive à survivre. Ouais, non. Ok. Le fait qu'il meure aussi, c'est dramatique. J'ai 3 pare-chaud, je peux raise les 3. Hein. Non, parce que ça prend trop de points, donc c'est mort. Donc on repart sur le boss. Moi qui me disais qu'on avait bien commencé, eh bien on a mal fini. Ah, oh, tout ça parce que j'ai... Ah, décomposition, mais quel con. Il va être chaud. Il va être chaud ce combat. Il va être chaud. Bien sûr, il est toujours temps de repartir en arrière et machin. Bonjour madame. On fait la même chose. Ave de more de mere galach. Never mind. I am rap. She pats them. But you're too late. Looks like we'll have to find some other way to keep you busy. Oh, I do hope that little I do love that in a woman. She bites her lip and leans in, close to your face. As she whispers, her breath faintly fragrant with a sweet hunt. I find you rather delicious. Oula, non. Just because something is she presses her lips suddenly her breath you hear a low hum getting loud. Ah voilà, c'est bien ce que je pensais. Vous voyez, on peut déjà commencer avec un désavantage. From her throat down yours they ricochet around your mouth a wet buzzing mat. She stands. C'est pas grave, je tente. Tell me little girl, do you know why the soil here is so very fertile? Do you know why it's the only place in Reaper's Coast where blood roses grow? No, no. It's the corpses, darling. I'll need more. Alors du coup elle va nous refaire la même chose. Et je vais lui refaire la même chose. Donc là je commence déjà avec un désavantage. Hein. Ah oui, moins de 35% de dégâts quand même. Merci à toi. Peut-être se débarrasser des cibles les plus proches en fait. Par contre, l'idée de la téléporter, moi ça me séduit toujours. Donc toujours froid hivernal là-dessus. Putain, mais ça rebondit pas 3 fois, merde. On a tous de l'armure encore. Non, je pense qu'il faut que j'attaque au max. En essayant de renverser.
Le plus possible, peut-être. Et là, c'est la rupture de tendon, hein, la dernière fois, qui nous a complètement sauvés, donc... Il faut qu'elle passe. Il faut que la rupture de tendon passe. Ainsi que peut-être l'hémorragie. Ce qui serait sympa. Dommage. Se relève. Alors, les moucherons, voilà, merci à eux. Juste bien faire attention à la... Fucking... Oh, mais non, mais arrête. Arrête de ressusciter ta copine, putain. Les crachats sont vraiment problématiques parce que c'est directement l'armure et j'en ai de l'armure magique et j'en ai quasiment pas. Ils attaquent tout mon perso principal. Bouge, 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 meurs, 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 meurs. Même tarif. Je lui avais pété son armure magique hein, la dernière fois. Ce qui m'avait un petit peu sauvé les miches. Là, je sais pas si on aura le même tarif. Hémorragie, toujours pas de nécrose. Donc pour l'instant, on va dire que je... Ah, moins 50% de... Ah, j'ai pas de guerrier feu, putain. Vous me cassez les noix. Voilà, si j'avais du feu, ça leur atomiserait le cul. Elle va pas survivre si je la guéris pas, donc... Restauration obligatoire. Allez. Il renvoie les dégâts en plus, mais quelle horreur. Ah non, ça a l'air d'être bon. Je vérifie hein, quand même les ennemis. Ok, donc elle est en décomposition. Génial, donc en fait le prochain soin va la tuer. Peut-être pas si je fais ça. Nice. Ok, c'est peut-être un peu perdre du temps, mais je préfère la guérir et les garder en vie qu'autre chose. Ok, t'as un point. Profites-en pour faire ça. Ça sera jamais perdu. Ok, Sébile va prendre cher. Peut peut-être faire quelque chose quand même. Elle est hors question qu'elle s'en sorte. Oh, cible trop éloignée. Non. C'est pas grave. Elle a toujours son point de déplacement gratos. Donc. C'est tout ce que je voulais. Ok, lui il avance. Ok. Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Arrêtez. Arrêtez, non. Et merde. Ah. Wow. Ah oui, c'est moi où il a pris 200 milliards de dégâts. Nécroflamme. Nécroflamme. Voilà. Et comment ça, Nécroflamme? Comment ça, Nécroflamme? Je ne sais pas. Qui est en décomposition? Ok, c'est notre ami le guerrier qui est en décomposition, donc il ne faut absolument pas le guérir.
Hein? Non, lui il est mort. On va le faire tanker tant qu'on peut. Ah si, il y avait bien un ennemi par terre. Putain, Sibyl, faudrait vraiment que tu fasses un travail de ouf. Elle a pas attaque opportuniste. Ok, donc ça va être très compliqué. Très très compliqué de les faire tous survivre. Ok, elle est morte, encore. Ok, l'os va attaquer en première. Allez. Il faudrait que tu puisses la guérir à distance, sans soin. Bravo. Non, ok. Ok, non, j'ai un souci de point d'action et de... En fait, il manque des points pour faire plus d'actions pour pouvoir m'en sortir. Parce que là, ils sont trop nombreux, tout simplement. Je peux pas tous les gérer en fait en même temps. Soit il faut que je prenne les pouvoirs de feu. Oh, elle va... Voilà, elle va y passer aussi. Je suis sûr que ce combat est prenable. J'en suis sûr. Peut-être avec plus de grenades, tiens. Reprenons un petit peu le... Super. Est-ce que je voulais l'os ? C'est signé Zangdar, on s'est fait avoir. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais par exemple, si toi t'attaques juste à la baguette. En stuffant bien pour le combat, il y a moyen. Je retente, je retente! Tu connais pas le donjon de Malbuck? Si, mais ça fait très longtemps. Je crois qu'il y a moyen, je sais plus si c'est avec l'eau ou... De retirer... Non, tant pis. Je voulais retirer l'effet de feu dessus, de poison dessus. Et en distillant un petit peu les boules de feu à droite à gauche, et les molotovs, tiens d'ailleurs. Par exemple, Sibyl, toi t'as pas d'attaque mais t'as les molos. D'ailleurs t'en as, hein, des molotovs, on est d'accord. Oui. En répartissant un petit peu les cocktails molotovs, scindés, je suis sûr que je peux faire quelque chose. Moi, je vais tirer avec des flèches de feu. On va se faire un petit combat. On se retente, voilà. On se retourne la sorcière. Ah, les nyctalopes. Ah oui, bien sûr. Je savais que t'étais une vieille salope. Chaussette. Le barbare prend un niveau. Alors, je fais juste reposer. Vite. Dialogue. Voilà. She stands to her full. She peers. Ave de more de mere. She pats the boot. But you're too late. Looks like we'll have to find some other way to keep you busy.
Oh, I do hope. I do love that in a woman. Ha! As though you don't know. This is the one place in all of Reaper's Coast where then I suppose you... Voilà, là j'ai refait exactement le même dialogue que le premier. Faut y aller molotov. Waouh. Grosse blague. Grosse blague. Non mais si par exemple, effectivement là, j'essaye de claquer le molotov par exemple ici. C'est plutôt pas mal. Ensuite. Oh, les flèches de feu font si mal que ça. Non, 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 non. Toi, t'as une priorité, ma cocotte. C'est d'emmener un petit cadeau à Sibyl. Et je suis en train de me demander si... Et là, je vais tenter un petit coup de poker. Et je crois que ça marche. Alors du coup, tu vas le tenter sur lui. Logiquement, la régénération va la tuer. Va les tuer. Petit coup parce qu'il faut bien... Voilà, faut bien faire quelque chose. T'as pas un molo, toi, t'as rien. Après, je pourrais balancer de l'huile, hein, histoire que ça soit encore plus le bordel, mais pour l'instant, on va en rester là. Et là, Sibyl. Sibyl se positionne. Tout dépend de cette rupture de tendon. Il passe. Petite hémorragie sur la demoiselle. Cause hémorragie si elle ne possède pas d'armure physique. Alors... Ce que je vais faire, c'est adrénaline. Comme ça, j'aurai 2 points de plus que je perdrai au tour d'après, mais c'est pas grave. Sibyl, au pire, elle va crever. Comme ça. Tu lui plantes 2 poignards dans le dos. Tu fais sauter l'armure magique. Tu lui fais une petite hémorragie des familles. Et là, croyez-moi qu'elle va se régaler en se déplaçant. Alors oui, je vais prendre la max. Mais croyez-moi que le boss... T'as réparé ton PC. Félicitations. Non, non, soigne pas le boss. Sur l'os? Oh, le salaud. D'accord. Il a balancé le soin sur mon perso pour que les soins la butent. Excellent, bravo. C'est une très bonne idée, j'ai eu la même strat. Alors, arrêtez de vous en prendre à Relena. Et là, déplace-toi. Déplace-toi. Là, tu aimes, tu kiffes. Tu kiffes, tu vas crever. T'es morte comme un gros caca. Voilà. Elle l'a cherché. Elle n'a pas de nécrose. Donc, tant mieux. Je me guéris. Tout seul. Et ensuite, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un petit ricochet quelque part des familles? C'est de la merde, hein? Ouais, ouais. Ouais, 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 c'est de la merde. Alors, je vais peut-être plutôt essayer d'attaquer les ennemis à distance. Critique! Pas mal. Plus de points d'action, vas-y. Non, 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 pas gentil. Pas gentil. Souffle hivernal. Qui n'a plus d'armure? Toi, toi, mais vous... Toi, toi, mon toi. Droit, toi, mon tout, mon toi. Mais ce qui m'ennuie, c'est que vous êtes en train de brûler, que vous êtes bien sensible au feu, donc ça m'emmerde un petit peu. Donc je dirais que toi, tu vas prendre la max. Étourdissement, je n'en demandais pas plus. Peut-être peut-on...
molotofer des gens. Terre et eau, 30%. Eux, j'ai l'impression que c'est plutôt l'armure physique qu'il faut les attaquer. Bon, toi, t'es pas en train de brûler. Je peux te coup de froid. Voilà. Allez, tenez le choc, s'il vous plaît. Comme ça, je lui retire les trucs et les soins vont lui faire du bien. Parfait. Ouais. La meilleure défense, c'est la défense. Vous êtes en train de crever de décès. Toi, t'es prenable. Mais j'irai bien sur les scaraputes. Je sais qu'ils avaient une armure. Arrêtez de vous en prendre à Sibyl. Ok. Sibyl, ma cocotte, un choix s'offre à toi. Que désires-tu? Gel! Magnifique. Oh non mais arrêtez, arrêtez de vous en prendre à elle. Vous voyez bien qu'elle est un peu coconne? Oh la vache. Ah mais non, mais je peux pas te soigner, t'as de la nécrose, cocotte. Ah bah le combat est reperdu. Comme le pain. Alors le feu est une bonne idée, mais la nécrose décomposition est vraiment trop chiante. Voilà. Voilà, essaye un truc. Tiens, allez, prends une potion. Essaye de survivre. Et on en reparle après. Merci. Merci à toi. Nécroflamme. Non, avec les, en fait, avec les scarabées qui nous attaquent vraiment, c'est compliqué en fait. Les scarabées attaquent à la magie et on peut rien faire pour les attaquer. Voilà, à chaque fois ils se barrent. Et ils ont suffisamment de résistance magique pour que je puisse pas les contrôler, si je puis dire. Ok. Ok, ok. Donc là, c'est vraiment compliqué, en fait. Hein. Et vous mourrez jamais? Si, de temps en temps, visiblement. Brûlure a été supprimée par Nécroflamme. Ah, donc en fait, faut que je les double brûle. Mange. Mange. Fais un petit rebond de bouclier. Ça pourrait être sympa. Non, je m'en doutais jamais de la vie. J'aurais pu le tuer, mais... Allez, c'est parfait vivre, hein, mais non, il y a encore 3 scarabées, un machin. Non, non, c'est mort, c'est cuit. Oh, le petit manqué. Heureusement, le scarabée est là pour finir. Putain, c'est con, j'arrive à défoncer le boss. J'arrive à défoncer le boss, mais pas le reste. Oui, chargeons. Et YouTube, retrouvons-nous pour un changement de stratégie ou changement d'endroit. Allez, des bisous YouTube, à la prochaine.